accompagner votre coupe de champagne. Vous allez retrouver le navet Noël de mer. Vous laisserez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et je vous le dirai ensuite. La pelote vinaigrée, oignon. Et ici, l'œuf de caille velours de mer, la guimauve en blanc d'œuf, concombre et entrailles de poisson. La mini mimolette à prendre avec les doigts. Oui, messieurs. Le pain blanc fait maison ici même dans notre boulangerie par Ange et Natalia, nos boulangers, accompagné de son beurre fermier de Montcabrel. C'est de la région à 10 minutes d'ici, Sophie et Gaëtan Le Vienne, à côté de Montreuil. C'est la Cormézévin, là nous partons en Loire, on est dans le centre Loire, nous sommes chez Jonathan Pabio, sur une cuillère qui s'appelle Léon, donc sur des Pouilly Fumées, en 2021. Donc là on est à Pouilly-sur-Loire exactement. Donc on est en face de Sancerre ici. Merci. Pour commencer, brioche beurrée et langue dorsale de la mer du Nord, à prendre avec les doigts et à manger en une fois. C'est pas cher ça? Oui. On se dépêche alors. Vous allez peiner là. Non, mais vous prenez votre plaisir. Origami végétal, bar et une huile à base de sapin de l'épicéa que je mets dessus. L'origami est une forme géométrique japonaise, en forme avec un bar coupé au couteau à l'intérieur et une huile de sapin sur le dessus, l'épicéa. S'il vous plaît, je vous laisse découvrir. Pour continuer, butternut au sel et marmelade vinaigrée. Le butternut coupé finement, cuit au sel accompagné d'une marmelade vinaigrée, butternut pamplemousse s'il vous plaît. Là nous partons en Savoie. Nous sommes à Chinien, donc entre Chambéry et Albertville, chez Gilbert Lioz, donc sur une cuvée qui s'appelle le Jaja. En 2020, donc le Jaja c'est 100% jacquère ici. Donc là on est à Chinien même, donc en plein cœur de la Savoie. Pour continuer, le blini, dolet entier et tourteau. C'est un plat côtier rural de la cuisine du chef, que le chef vient depuis 7 ans maintenant, et que les gens redemandent sur l'enlève du menu s'y connaissent. Alors, le radis noir avec un jus de poire et navet fermenté. Vous avez ensuite le coussin de Stilton, qui est un fromage bleu anglais, délicat et crémeux, à manger prudemment, s'il vous plaît. Et enfin, dans le verre, radis noir et voile de sèche et Saint-Jacques. Il faut ça se mange, oui. Le verre, par contre, non. Vous me le rendez à la fin. C'est important. Je vous invite juste à transpercer le voile avec la cuillère ou la pochette comme vous voulez, pour aller chercher le radis et remonter avec le radis et le voile. Et là, vous avez du pouilly fuissé de Bourgogne. Donc là, on est sur des chardonnays en 2018, c'est la cuvée Les Crêts de chez Eric Forest. Sur l'amertume végétale et un d'estougeon devant vous, le second service de l'amertume végétale sur le bois, en bobine, à manger avec les doigts. Le soufflé snacké aux agrumes. D'accord. Vous enlevez la petite coche blanche et vous mangez le soufflé qui est à l'intérieur. À manger plutôt chaud. D'accord. C'est parce que c'est comme un soufflé dessert. Si vous l'avez attendu, il est moins bon que moi. Saint-Jacques sèche et salsifie devant vous. Dans l'assiette. Le bouillon de sèche dans le bol à saké, à boire comme un verre de vin, à ne pas verser sur le plat. Les huîtres gamènes de Blainville-sur-Mer en Normandie, s'il vous plaît. Et la gamène, c'est le nom de huître, il n'y a pas de numéro. Les coquillages sur le petit bois. D'accord, ok. Le poulet rôti, s'il vous plaît, je vous laisse prendre avec les doigts. Et à manger une fois, vous allez voir, je vous laisse découvrir. Le homard et branche de genièvre pour madame. Vous soulevez la première branche de genièvre et vous mangez le homard avec les doigts. Ça se mange avec les doigts, le homard. Ça pique en plus, c'est pas bien. Mais il y a des trucs en dessous là. Tu vois? Non mais c'est fini, les gros trucs. Oui, t'as mis le fil. Comment tu vas prendre?
D'accord. Et pour monsieur, les grenouilles meunières, beurre, citron, soja, les croûtons de pain. À manger bien sûr avec les doigts aussi, je vous ramène un rince-doigts pour manger avec. Je vous laisse découvrir. Alors, juste ici pour continuer à Cormézévin, là nous partons en Auvergne. Nous sommes donc au sud de Clermont-Ferrand, à Boude exactement. On est donc chez Henri Chauvet, sur le millésime 2021, sur une vieille qui s'appelle Tout-là-haut. Donc Tout-là-haut, c'est des parcelles qui sont vraiment un petit peu en altitude, c'est des parcelles qui sont en altitude, sur des gamets ici, c'est 100% gamets. Et là, on est, voilà, c'est son premier millésime, c'est un jeune vigneron, il fait des choses très intéressantes. Et là, c'est des terroirs volcaniques. Vous allez voir, dans le gamet, là, je trouve que ça ressort vraiment le côté volcanique, c'est assez intéressant, avec un petit lièvre. Pour continuer, la raviole rouge, à couper avec délicatesse, le cœur est coulant. Faites attention au moment de l'ouverture, je vous laisse découvrir. Vous verrez s'il y a un jaune d'œuf à l'intérieur. Si vous ouvrez un peu fortement, ça peut en mettre partout. J'ai demandé ce que c'était. La brioche aux herbes du marais et fleurs de sel, c'est pour venir saucer le jus du veau. Grégoire vous dépose la bonne conscience et le veau. D'accord. Moi, c'est la mâche, pardon. Moi, je vous dépose la mauvaise conscience, c'est le veau. D'accord. Entrecôte de veau de lait. D'accord. La brioche, pour venir saucer le jus qui est juste ici, vous l'arrachez avec les doigts. Et les nuques truffées à partager. Et je vous laisse vous régaler surtout. Donc là, pour accompagner les desserts, on termine sur quelque chose de local. Nous partons à Bouin-Ploumoison, c'est à une vingtaine de kilomètres d'ici, dans les terres, en allant vers Hédin. Nous sommes chez la famille Théry, c'est de l'hydromel. C'est uniquement de l'eau et du miel, qui fermente naturellement. Et une fois que la fermentation est faite, il est vieilli en foudre pendant 5 ans. Ça, c'est vraiment la particularité de chez eux. Parce que souvent, l'hydromel, on le boit très jeune, il y a ce côté très sucré. Là, il y a des très longs élevages en foudre. Et donc, ça apporte ce côté voilà, beaucoup plus complexe. Donc là, c'est élevé 5 ans en foudre, c'est un hydromel de 2015. Et en fait, une fois que l'élevage est fait, nous, on va les goûter chez eux et nous les mettre en bouteille pour la grenouillère. Intermédiaire entre le plat et le dessert. Le miel de fleurs de Bouin-Ploumoison, c'est de la région, à 20 minutes d'ici, entre Montreuil et Hédin, de la famille Théry, à déguster en une seule bouchée et à laisser fondre en bouche. Vous verrez, en mâchant, il y aura l'excès de cire à remettre dans la cuillère, ça ne s'avale pas. Et je mets quelques gouttes de citron pour adoucir le côté sucré du miel. Et c'est un exhausteur de goût aussi. Avec la personne qui s'occupe de vous, n'hésitez pas à donner au chef un petit peu en fin de repas. Qu'on puisse aller voir ça de notre côté. S'il vous plaît, monsieur. Je crois qu'il y a un événement à fêter aujourd'hui, monsieur. Exactement. Je vous laisse tendre l'oreille. C'est une musique très douce. S'il vous plaît. Vous avez entendu ? Oui. Le premier dessert, le feuillet feuilleté givré, poire, oseille, à partager avec les doigts. Le dessus, ça se casse facilement. À manger sans trop tarder, c'est glacé. Donc le feuillet feuilleté givré, premier dessert avec les doigts. Après, c'est l'ondulation, vanille, oseille, sureau. Juste ici. Avec les doigts, avec les couverts, c'est vous qui voyez. La suite, c'est la poire opaline, la poire mousse lactée noisette, l'habit de pomme liquide et fragile à manger en une seule bouchée, et enfin le laurier friable à prendre et à venir tremper dans la faisselle aux herbes du marais. Le dernier dessert, le cacao grand prix du Venezuela, amande et pierre cristal. Bah, moi c'est Ange, il y a Franck ici et Joseph qui est avec nous. Ça c'est magnifique, le balai de... Ah, le balai de... Le balai de pain. Bah, de fruits à la poire, je vous laisse prendre un papier et manger la... Vous ouvrez le papier et vous mangez la pâte de fruits à la poire à l'intérieur. Vous n'allez pas manger le papier. On doit